Quand je préparais ce message, when I was preparing this message, je riais toute seule. I was laughing all by myself. Parce que je voyais combien de fois le diable nous malmenait. Because I was seeing how many times the devil. Alors que nous pouvons être libres. Had imprisoned us, even though we could have been. Jésus a payé le prix pour que nous Jesus soyons Christ libres. Jesus Christ has paid the price for us. Satan n'a aucun pouvoir. Satan has no power. Sauf quand nous lui donnons le pouvoir. But we ourselves give him the power. Il n'a aucun pouvoir sur nous. He takes the power from us. Nous qui avons accepté Jésus. Us who have accepted Jesus Christ. Comme notre sauveur et Seigneur personnel. Le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Satan has no power over us. Sauf quand nous lui donnons accès. Except of what we give him access to. Hallelujah. Hallelujah. Oh, les chrétiens de la Galatie. No, Christians of Galatia. Ils ne devaient pas se laisser asservir. They were not supposed to let themselves serve. Par le péché. By sin. Ils sont libérés déjà. They had already been free. Afin de mener une vie juste to live a just et de glorifier and glorious life. Dieu par leur service d'autrui. And by through their service and glorify the name of the Lord. Tu glorifies Dieu you glorify God en servant autrui. By serving. Quand vous allez voir les 10 commandements, when you look at the 10 commandments, quand vous allez arriver à la maison, vous prenez Exode 20. When you go home, you can take qui annonçait déjà la venue de Jésus. Which had already announced the coming of Jesus Christ. Les 10 commandements, the 10 commandments, parle de la relation avec speak Dieu, of the relationship with God, qui est vertical, which is vertical, et qui parle de la relation and avec also speaks of the relationship with others, entre hommes, between man and man. Alléluia. Hallelujah. Nous ne pouvons pas être sauvés. We cannot be saved. Par le respect de la loi. We cannot be saved. Par le respect de la loi. By the respect of de l'Ancien Testament. Of the Old Testament. Ou des 10 commandements. Or of just the 10 commandments. Alléluia. 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 Nous savons qu'il y a des pratiques qui we se font en ce moment. There are practices done nowadays. Où des gens pensent qu'ils where peuvent être sauvés. That they can just be saved par la loi by following the law de l'Ancien Testament of the Old Testament. Ou d'autres pensent or others may also qu'ils peuvent être sauvés that they can be saved par les 10 commandements by just the 10 commandments. Mais le but de la loi but the goal of the law son but était de souligner its goal was to underline notre besoin de pardon our need of forgiveness. La loi the law voulait dire que nous avons péché is to tell us that, yes, we have sinned, et que nous avons besoin de pardon. That we need forgiveness. C'est ce que la loi disait. That is what the law was la loi s'arrêtait là. The law stopped there. Mais la loi ne pouvait pas nous sauver. The law itself cannot save us from our alléluia. Hallelujah. Et c'est Christ, Jesus Christ qui a satisfait pour nous that satisfied for à ces obligations là. These obligations. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. C'est vrai, Jésus Christ seul. The truth that Jesus Christ said. Que nous devons nous tourner. That we must turn ourselves. Pour être sauvés. To be saved. Lui seul. Him alone. Peut nous rendre juste. Can make us just. Aux yeux de Dieu. To the eyes of God. Jésus Christ seul. Jesus Christ alone. Peut nous rendre juste. Aux yeux de Dieu. To the eyes of God. Jésus seul. Jesus himself. Peut nous rendre juste. Make us just. Aux yeux de Dieu. To the eyes of God. Jésus seul. Jesus himself. Peut nous rendre libre. Make us free. Aux yeux de Dieu. To the eyes of God. Jésus seul. Jesus alone. Peut nous accorder la paix. Give us peace. Aux yeux de Dieu. To the eyes of God. Il n'y a que Jésus seul. There was only Jesus Christ. Il n'y a que lui seul. There was only him. Et autrefois nous étions esclaves. Last time we were slaves. À cause du péché. Due to sin. Mais quand nous prenons Jean 8:32. John 8:32. Il dit vous connaîtrez la vérité. He says you will know the truth. Et la vérité vous rendra libre. The truth shall set you free. Alléluia. Hallelujah. Vous connaîtrez la vérité. And you will know the truth. Et la vérité vous rendra libre. Set you free.
Alléluia. Alléluia. Quand tu fais la rencontre avec Jésus, when you make quand tu connais quelqu'un, when you know lorsque someone, tu le connais, once you know them, c'est quand tu as fait la rencontre avec lui. Once you made that meeting with them, si tu le connais, if you know them, c'est quand tu sais qui il est. That means you know who they are. Quand tu connais Jésus, when you know Jesus Christ, tu sais qui il est. That means you know who he tu is. Tu sais qu'il est le chemin. You know that he is the tu way. Tu sais qu'il est la vérité. That means you know that he is tu the sais truth. Qu'il est la vie. That means you know that he is life. Jésus, when you meet Jesus Christ, tu es libre. That means you are free. Quand tu rencontres Jésus, when you meet Jesus Christ, tu es la liberté. That means you are now free. Quand tu rencontres Jésus, when you meet Jesus ta Christ, vie change. Your life changes. Amen. 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 Jésus est la vérité qui vit. Jesus is the truth. Il est la source de la vérité. He is the source of the truth. Il est la source de la vérité. He is the source. Jesus is the source of the truth. La norme de tout ce qui est parfait. Everything that is perfect, he is. Ce qui est bien. What is good, that is what Jesus is. Est juste. And all that is just, that is il nous libère des conséquences du péché. It frees us from the consequences. Jésus nous libère des conséquences du péché. Us from the consequences of sin. Alleluia. Alleluia. Je parle du péché originel. I am speaking of the original sin. Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Il ne nous donne pas la liberté de faire ce que nous voulons. Give us the liberty to do what we want. Jésus ne nous donne pas la liberté. Jesus does not give us the freedom de faire ce que nous voulons. To do what we want. Alleluia. Alleluia. Mais celle de suivre Dieu. But the one to serve and follow God. Il ne nous donne pas la liberté de faire ce he que nous voulons. He does not give us the freedom to do whatever we want to do ourselves. Mais celle de suivre but Dieu. But he gives us the freedom to serve and follow God. Alléluia. Hallelujah. Tant que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Until you have met Jesus Christ. Ton esprit souffre. Your spirit suffers. Ton esprit a soif. Your spirit is thirsty. Il manque quelque chose en toi. It is needing. Tu es vide. And you are empty. Il y a un vide. There is an emptiness. Qui se trouve en that nous. Is found in us. Sans la connexion avec when Jésus. We do not have the connection with Jesus Christ. Mais quand tu rencontres Jésus. Once you meet Jesus Christ. Ce vide est comblé. This emptiness is complete. Ce vide se comble automatiquement. This emptiness is filled right away. Il est esprit. He is spirit. Alléluia. Alléluia. Il est esprit. He is spirit. Il est esprit. He is spirit. Et nous ne pouvons pas le and toucher. We cannot touch him. Il se manifeste par l'esprit. He manifests himself through the spirit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 8. And that is why it is said in John 8. 36. Je lis pas trop les passages parce que je vais rester dans mon temps. Alléluia. Alléluia. Jean 8, 36, il dit. John 8, verse 36, reads. Si donc le Fils. So if the Son. Vous libère. Sets you free. Vous serez réellement libre. You are truly free. Si le Fils vous libère, if the Son sets you free, vous serez réellement libre. You are truly free. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 8 verset 2. Romans chapter 8 verse 2. Amen. Amen. Il dit en effet. He says, and because. La loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus Christ. M'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Romains 8. Romans 8. Verset 2. Verse 2. And because you belong to him, the power of the life-giving spirit has freed you from the power of sin that leads to death. The law of Moses was unable to save us because of the weakness
of our sin. Hallelujah. 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 Il dit la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ. He said, the life-giving spirit. La loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ. The law that gives the life in Jesus Christ. M'a libéré. Has liberated me, has freed me. Allons pas à pas. La loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ. The law of the spirit that gives life in Jesus Christ. M'a libéré. Has freed me. De la loi. From the law. De la loi mosaïque. From the law of Moses. De la loi des Juifs. From the law of the Jews. De la loi des traditions juives. From the law of the traditions of the Jews. Des combien? The whatevers. Des sorciers. Of the sorcerers. Hallelujah. M'a libéré de la loi du péché has et de la mort. Has liberated me from the laws of sin and death. Désormais, le péché n'a même plus de pouvoir sur toi. Sin has no more effect or power on you. La mort spirituelle n'a plus de pouvoir sur toi. Spiritual death has no power over you. La mort précoce n'a plus de pouvoir sur toi. Ce que les sorciers peuvent décréter n'a plus de pouvoir sur toi. What the sorcerers will decree on you have no more effect or power on you. Tu ne peux plus avoir peur des sorciers. You cannot fear any sorcerer or witch anymore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Let me let you know something. Les sorciers. Sorcerers. Ils n'ont pas de limitation d'espace. They do not have a limitation of space. Si un sorcier veut venir toucher aux États-Unis, if a sorcerer wants to leave back home and come to the United States, he can do that if he wants to. N'a pas besoin de prendre avion. They do not need to take a plane. Se déplace pas en voiture. They do not need to move in cars, transportation. Ils bougent en esprit. They will move in spirit. Ils bougent en esprit. They move in spirit. Si tu veux te laisser conduire par le bloc, if you want to let yourself conducted par la chair, your own flesh, flesh, amen. Le sorcier peut te trouver tranquillement. Will find you very nicely. He will find you at any time that he wants. Tu es dans ta maison fermée. If you're even in your house, et puis il te trouve tranquillement dedans. He will still find you in your home because you're being conducted by your flesh. Hallelujah. Hallelujah. Mais Christ a donné le pouvoir. But Christ has given you the power. Les sorciers, leur pouvoir n'ont plus de pouvoir sur toi. The witch, their power has no more effect on your life or si on tu you. Connais ta position, ils peuvent plus voyager, ils peuvent trouver ici. If you know yourself, if you know what you've been given, they cannot travel to come and find you. Parce que Christ t'a libéré. Because Christ has freed you. Il t'a libéré de leur pouvoir. He has freed you from their powers. Il t'a libéré de la puissance. He has freed you from their powers. Hallelujah. Hallelujah. Vous savez quand on décide de marcher avec le Seigneur. You know when we decide to walk with the Lord. Ceux qui veulent attaquer trouvent qu'on est bizarre. Those who want to attack us find that we are bizarre or weird. Yes. Le sorcier va dire qu'elle est devenue bizarre. The sorcerer will say, she became weird. Quand on veut la voir, on ne la voit pas. The sorcerer will say, when we want to see her or be able to reach her, we can't anymore. She's become weird and bizarre. Vous savez, à l'ouest, en Côte d'Ivoire. You see, in the Ivory Coast, over west. On aime beaucoup les funérailles. We love funerals. Je ne veux pas nommer une tribu. And I do not want to name a lot. Mais pendant les funérailles. But during funerals. La plupart du temps, a lot of times, les gens vont vide. People go empty. Et c'est pendant ces funérailles. And it is during these funerals. Qu'on programme la prochaine victime. Yes. That they make a program of the next victim. Hallelujah. Hallelujah. Mais quand tu es libre en Jésus. But when you are free in Jesus Christ. Quand tu arrives là-bas. When you arrive at these funerals. Quand ils te voient. When they see you. Ils savent que
quelque chose se passe. Quand tu arrives dans le village, quelque chose a dérangé là-bas. Le règne spirituel diabolique est dérangé. Their power, the spiritual devilish powers have Alleluia. Been messed with. Alleluia. Alleluia. Donc n'ayez plus peur des sorciers. So do not fear the sorcerers. Do not be Donnez scared. Votre vie réellement à Jésus. Truly give your life to Jesus Christ. Alleluia. Alleluia. Il est esprit. He is spirit. Et le Saint-Esprit. And the Holy Spirit. Est Dieu. Is God. Il était présent à la création. He was present during the creation. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Romains chapitre 6 verset 14. And that is why Romans chapter 6 verse 14. Amen. Sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Amen. Amen. J'aime cette version. Alléluia. Alléluia. Il dit quand le péché He says, sin n'aura point de pouvoir is no longer your master. Dans cette version il dit le péché n'est plus ton maître. In this version it reads sin is no longer your master. Il n'aura plus de pouvoir sur toi. It will have no more power on you. Puisque vous êtes for you non sous la loi are no longer under the law, mais sous la grâce. But instead under the grace. Alléluia. 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 La grâce c'est quelque chose d'immérité. The grace d'immérité. Is something that you, it, you don't that is that you don't deserve. Dieu fait grâce. God gives grace. C'est pas parce que nous sommes bons. It is not because we are good. Mais c'est parce qu'il veut faire grâce. But it is because he wants parce to qu'il est souverain. It's because he is a sovereign God. Et dans cette grâce, and in this grace, il dit en Christ, nous sommes libres. He says, in Christ, we are free. Je peux entendre une question I can hear a question dans mon esprit. In my spirit. Quelqu'un qui s'est dit, someone that was saying, mais, être libre en Jésus là même c'est quoi? But being free in Jesus, what does that even mean? Comment je peux être libre même en Jésus? How can I even be free in Jesus Christ? Accepte-le. Accept him. Dans ton cœur. In your heart. Comme ton sauveur. As your savior. Et ton seigneur. And Lord, as your Lord. Et soumets-toi à lui. And submit yourself. De manière délibérée. And you shall be free. Ask to be free. De manière délibérée. Ask freely. Et Christ prendra contrôle de ta vie. The Lord will take control of your life. Au verset 15. In verse 15. Il dit quoi donc? He says, where is? Pécherions-nous? Well then. Parce que nous sommes. Since God's grace has set us free from the law. Non sous la loi, mais sous la grâce. Does that mean that we go on sinning? Loin de là. Far from there. C'est pas parce que nous sommes sous la grâce. It is not because we are under. Que nous allons croire que nous pouvons pécher. That we must believe that we can continue sinning. Alléluia. Hallelujah. Christ en nous nous donne la liberté. Christ in heaven gives us freedom. Christ même nous donne de haïr le péché. Christ tells us to hate sin. Parce que quand tu pêches l'Esprit de Dieu, when you sin, the Spirit of God, qui est en toi, that is in you, il convainc ton esprit, he convinces your spirit, de justice, of justice, et de jugement, and of judgment. Quand Christ en toi, when Christ is in you, quand l'Esprit de Dieu en toi, when the Spirit of God is in you, comment tu peux discerner ça? How can you discern this? Quand tu pêches, when you sin, tu n'es pas tranquille. You are not well. Ton esprit your spirit reçoit le jugement receives the judgment que tu as péché that you have sinned. Ton esprit est jugé your spirit is judged par le Saint-Esprit by the Holy Spirit qui est en toi that is in you pour dire que ton esprit to tell you that your spirit est encore étranger is a foreign place qui fait que
esprit that makes my spirit et toi, ton esprit and your spirit ne peuvent plus faire un. Not be one. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Quand le Saint-Esprit en toi, that the whole the spirit in you. Quand tu pêches, tu es malheureux. When you sin, you are not well. Alléluia. Hallelujah. Comme le frère parlait tout à l'heure. Like the brother was speaking of just now. Il parlait de masturbation. He was speaking of masturbation. Quand le Saint-Esprit en toi, when the spirit is in you. Si tu te masturbes, if you masturbate, tu ne seras pas heureux. You will not be happy. Alléluia. Hallelujah. Quand le Saint-Esprit en toi, when the Holy Spirit is in you. Quand tu finis de mentir, when you finish lying. L'Esprit de Dieu te demande. The Spirit of God asks you. Qu'est-ce que tu viens de faire? What did you just do? Alléluia. Hallelujah. Et tu deviens tout petit. You become small. Alléluia. Hallelujah. Là, c'est quand le Saint-Esprit est en toi. And that happens when the Spirit of God is in you. Alléluia. The Spirit is within you. Amen. Quand l'Esprit de Dieu en toi. When the Spirit of God is in you. Quand tu n'es pas en paix avec ton frère. When you are not in peace with your brother or ou sister. Ou avec ta sœur. When your sister with your sister or brother. Tu n'es pas heureux. You are not happy. Amen. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Je vais vous donner un témoignage d'une chose qu'on peut considérer. I will give you a testimony of something that we can consider. Qu'on peut considérer infime, that we petite. Can consider something that is petty, something that is small. Une fois, j'étais venu à l'église. One day, one time I came to church. Et je devais féliciter un frère. I was supposed to congratulate a brother. Dont la femme avait accouché. And that brother, his wife, had just given birth. La femme n'était pas venue à l'église. The wife had not come to church. Et je n'avais pas pu féliciter le frère dans le temple. And I was not able to congratulate the brother in the temple. Et à peine j'allais partir quand je l'ai vu. And I was about to go when I saw him. J'ai béni le nom du Seigneur. I blessed the name of the Lord. Et je lui ai dit pardonne-moi. And I told him forgive me. Car for je devais te féliciter. I was supposed to congratulate you. Alors je te félicite. So here I am. I congratulate you on the birth of your wife. Vous allez penser que c'est une chose infime. You will think that this is something petty. Mais le Saint-Esprit traitait avec moi. But the Holy Spirit was dealing with me. Alléluia. Hallelujah. Pour dire que quand le Saint-Esprit en toi, to say that when the Holy Spirit is within you, quand tu fais ce qui n'est pas agréable à lui, when you do not do something that il, is il va attirer ton attention. He will pull your attention. Alors, donc, si tu es dans une situation, if you are in a situation qui n'est pas agréable à Dieu. That is not like that the Lord does et not tu es dedans depuis. And for a long time. Et tu ne sors pas de là. And you have not come out of this. Il faut savoir que le Saint-Esprit a attristé. You must know that the Holy Spirit has been sad. Parce que si le Saint-Esprit n'était pas attristé. Because if the Holy Spirit was not sad. Tu serais sorti de là depuis. You came out of this situation a long time ago. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Et le verset 16 dit, in the verse 16, ne savez-vous pas, don't you realize, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, that you become the slave of whatever you choose, pour lui obéir, or obey, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Amen. Soit du péché qui conduit à la mort. You can be slave to sin, which leads to death. Soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Or you can choose to obey God, which leads to righteous living. Amen. Amen. La liberté en Christ aussi se traduit par notre freedom façon. In Christ also translates itself through our way. Par notre façon de nous habiller. Through our way of dressing. Quand tu vois quelqu'un qui est libre en Christ, when you see someone who is free in Christ, ça se traduit par sa façon de s'habiller. You see it through their way of dressing. Par sa tenue. By their outfit. Vous pouvez voir une femme qui est plaquée. You may see a woman who her clothes are tight on her. Elle n'est pas libre encore. She is not yet free.
Hallelujah. Hallelujah. Vous voyez un homme. You see a man. On dit les dessous. We say their underwear. Underwear. Their underwear. Mais quand il porte pantalon. But when he wears his pants. Underwear en haut. The underwear is high up, waisted, but the pants are down below. On dit quoi? Underwear. Sous-vêtement. It's called an underwear. Mais quand on regarde, le diable a rendu ça comment? But when you look at that man, it's as if the underwear has now became an overwear. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Si vous voyez un chrétien, if you see a Christian, qui a porté la culotte qui est en haut, le pantalon en bas, that he's dressed and you see the underwear up, but the pants down, il n'est pas encore libre. They are not yet free. Hallelujah. 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 Quand tu vois une femme qui est libre, when you see a woman that is free, en Jésus, in Jesus Christ, quand tu regardes son habillement, when you see the way she is dressed, en tant qu'homme, as a man, tu n'as pas envie de la toucher. You do not feel like touching her. Mais tu as envie de l'épouser. But instead you feel like marrying her. Hallelujah. 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 Mais quand tu vois une femme qui n'est pas libre. But when you see a woman that is not free. Elle te présente tout. She presents everything to you. Tu n'as pas besoin de toucher. You do not need to touch her. Mais regarde. But all you have to do is just look at her. Les femmes, je vous dis une chose. Women, let me tell you something. Les hommes marchent par la vue. Men walk through their eyes. L'homme, c'est ce qu'il voit qu'il attire. Man, it's what he sees that attracts him. Les hommes sont comme des chasseurs. Men are like hunters. Vous voyez, quand vous allez dans la forêt. You see, when you go into the forest. Quand un animal bouge. When an animal moves. Celui qui est féroce cherche. Whoever is hunting looks around. Et c'est comme ça l'homme est. And that is how man is. Il chasse. He is also a hunter. C'est un grand chasseur. He is a great hunter, actually. Mais si toi tu t'exposes. But if you expose yourself. Il va chasser. He is going to hunt you. Il peut ne pas te toucher. He may not touch you. Mais il se reste bien les yeux. But he will do like the hunter. Et il est dans le péché, tu es dans le péché. And he is now in sin. Alléluia. You are also in sin. Alléluia. 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 Esaïe 53, verset 2. Isaiah 53, verse 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Isaiah 53, verse 2. My servant grew up in the Lord's presence like a tender green shoot. Like a root in the dry ground. There was nothing beautiful or majestic about his appearance. Nothing to attract us to him. Amen. 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 Jésus n'avait rien de majestueux sur lui quand Jesus il était. Jesus had nothing majestic on him. Dans son ministère terrestre. In his ministry. Il ne portait pas les habits. He did not wear clothes. Quand on voit aujourd'hui, on dit je suis bishop. That we see now, and people say yes, I am a bishop. Ou je suis archibishop. Or I am an archbishop. Jesus n'avait ni beauté. Had neither beauty. Il n'avait rien qui pouvait attirer. Nor anything that could attract someone to him. Il avait l'aspect. Just had. D'un serviteur. The look, the feel of a man of God. La plupart de ceux qui vivaient avec lui. Most of those who were living with him. Ils n'ont pas compris son importance. They did not understand his importance. Ils le considéraient comme un homme
ordinaire. They just considered him as an ordinary man. Il n'attirait pas grâce à son apparence. He did not attract anyone through his appearance. Mais cependant, but during this, le salut est venu par lui. Salvation came through him. La guérison est venue par lui. Healing came through him. Alléluia. Hallelujah. La guérison est venue par Jésus. Healing came through Et nous avons été sauvés par and Jésus. We have been saved also through Jesus Christ. Aujourd'hui, quand quelqu'un est à l'hôpital, today when someone is at the hospital, quand il est dans les dernières heures de when sa he vie, is in the last hours, où les médecins peuvent décréter qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. Doctors can say there is nothing left to do for him or her. Mais lorsque Jésus arrive, but once Jesus Christ arrives, lorsque la puissance de Jésus est derrière, quelque chose se passe. Something happens. Quelque chose se passe. Something happens. Qui surprend même les médecins. That surprises the doctors. Alléluia. Hallelujah. Jésus libère. Jesus frees. Jésus libère. Jesus liberates. Jésus libère. Jesus liberates. Jésus guérit. Jesus heals. Jésus délivre. Jesus delivers. Alléluia. Hallelujah. Dans 2 Corinthiens 3, 2 Corinthians 3, 17, et je termine par là. And I will end here. 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthians 3, verse 17. Mm-hmm. Amen. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. Amen. 2 Corinthiens 3, 17, il dit, Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. For the Lord is the Spirit, and where His Spirit is, there is freedom. Amen. Bien-aimé, beloved, plaçons notre confiance en Christ. Let us place our trust and our faith in Christ. Et placer notre confiance en Christ, as placing our trust in c'est Christ, être aimé. Is being loved. C'est être accepté. Being accepted. C'est être pardonné. And being forgiven. Et libre de vivre pour lui. And being able to live for him. Hallelujah. Hallelujah. Jésus seul t'a aimé. Jesus only loved you. Il a donné sa vie à la croix pour he toi. He gave his life on the cross. C'est lui seul qui nous a accepté. The only one that accepted. L'homme peut t'accepter aujourd'hui. Man can accept you now. Et te refuser demain. And refuse you tomorrow. Jésus seul. Jesus Christ only. Nous a aimé tel que nous sommes. Has loved us how we were. Amen. Amen. Que Dieu May the nous Lord visite ce matin. Visit us this morning. Qu'il nous rend libres May ce matin. Free.